cherches. Tu as toujours tes cartouches H23? Les cartouches incendiaires au phosphore? Oui, il m'en reste 7. C'est plus qu'il en faut. Si on faisait un tour à Châtillon-sous-Meudon cette nuit? À l'Institut d'électronique? Oui, le coin est bien sombre. Quelques illuminations feraient bel effet, non? Oh oui, monsieur Claquemus. Dérangez pas, j'ai ouvert moi-même. Bonjour Blague, bonjour Veil. Bonjour, mais dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour... Fantin, ça, mes amis. Je possède à la DDT le double des clés de tous les appartements de Paris, y compris les vôtres, alors. Écoutez, allez-y, venez par ici. Oui, oh, d'ailleurs, ça sera vite fait avec tout ce qu'on a ramassé hors d'ici sur l'heure. Les tomates, White. Oui, merci. Hein, qu'est-ce qu'il dirait que ces espèces de petits pois dans la casserole là? Au courbouillon, hein, et hop, voilà les tomates reconstituées. Oh, c'est renversant, ça. Ce procédé de réduction par voie de déshydratation, c'est vraiment remarquable. Le fait est que... Dommage que ça puisse pas simplifier celui de l'enlèvement des monuments. Non, on n'a tout de même pas pu les transporter tels qu'ils étaient, grandeur nature. C'est certainement pas, ça serait vu. C'est comme si on essayait, par exemple, de faire passer un chou-fleur par un trou de serrure. Attention. Là, mon cher Fouvreau, votre exemple est mal choisi, parce que ça, c'est parfaitement possible. Bah, comment ça? Tenez là, cette petite bille blanche, oui, là. Ben, c'est un chou-fleur déshydraté, tel qu'il est. Vous avouerez qu'on peut aisément le faire passer par un trou de serrure. Évidemment, mais... Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Poudrie légumes. Le pont d'Avignon. Mais il est fou. L'obélisque, le lion de Belfort, mais pourquoi pas? Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas réduit comme les choux-fleurs, hein? Pourquoi pas? Oh, mais oui, au fait. Ah ouais, c'est impensable, mais ça expliquerait bien les choses. Allô? Bonjour, je vais arriver vite. Ah, c'est pour vous, Fouvreau. Donnez, merci. Quoi? Oui. Bon, j'arrive. Messieurs, l'Institut National d'Électronique est en flammes. Quoi? Fouvreau! Oui, professeur Hardy Petit! Professeur! Par ici! Ah, vous voilà! Vous voilà! Oh, c'est affreux! Oh, oui! Tout ce travail anéanti! Alors, professeur, vous ne laissez pas aller, quoi! Alors, qu'est-ce qui a brûlé? Tous les deux ailes, une cuisse, il ne reste que la carcasse! Et Carole? Sauvée, elle a été tirée des flammes par Théo. Le petit voyou. Non, je retire tout ce que j'ai dit. C'est un héros. Il a sauvé ma fille. Bonjour, professeur, je suis Fouvreau. Dites-moi, que sont devenues les pièces que vous aviez à analyser? Je ne sais pas, détruites sûrement, comme tout le reste. Non, Fouvreau. Oui. Un pompier vient de trouver une plaque d'acier devant les ruines de la porte. Montrez. Voilà, monsieur. On dirait une carte de visite en métal. Donnez, pompier, donnez. Attention, c'est chaud, hein. Oh, les saligots! Tenez, regardez, lisez, White. Black. Signé Furax. Oh, celui-là, je le tuerai! À mon âge, toutes ces inquiétudes! Voilà, Théo! Oh là, dans quel état le malheureux? Oh, Théo, d'où venez-vous? J'ai réussi. Réussi quoi? Les pièces sauvées. Quoi? Oui, au milieu des flammes, le coffre... intact jusqu'au dernier. Un brave petit gars. Je lui dois la vie, moi. Et nous, on lui doit une fière chandelle. Ah non, merci, j'en vois déjà 36. Jeune homme, grâce à vous, la lutte continue. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.